Bonjour, il ne reste plus que 14 jours avant les élections. Voici le sommaire de votre journal. Les politiciens le savent, la quête des indécis demeure un enjeu primordial pour faire basculer une élection et les casseroles des adversaires semblent constituer l'une des pièces maîtresses des partis en vue de rallier un maximum d'électeurs à leur cause. Mais qu'est-ce qui fera vraiment pencher la balance? C'est le dossier du jour. C'est leur dernier recours. Les membres de Résistance et Qu'Alternative contesteront le rejet des 20 candidatures devant la Cour suprême ce matin. Mardi, ces candidats à ces législatives avaient refusé de décliner leur appartenance ethnique. Au lendemain de la publication d'une deuxième bande-annonce visant Navin Ramgoolam, Patrick Assiavaden loge une plainte en diffamation criminelle contre 4 membres de la MBC. Vous écouterez la réaction de Bijay Ramdeni à ce sujet. Manuel scolaire gratuit, PRB effectif dès janvier 2020 ou encore création de 10 000 emplois dans le secteur public, l'Alliance Mauricienne dévoile enfin ses promesses de campagne. Mais qu'est-ce qui change du programme électoral de l'Alliance Les Peuples de 2014? C'est l'analyse à suivre dans ce journal. Essayez de convaincre ceux qui ne savent pas pour qui voter ou encore efforcez-vous d'exercer votre droit de vote, c'est ce que répètent les politiciens depuis le début de cette campagne électorale. Comme moyen de persuasion, ils n'hésitent pas à sortir les casseroles de leur adversaire. La quête des indécis, c'est un sujet de Manisha Dina. Est-ce qui Serenity Gate plus grave qu'Navin Gate? Donc c'est une campagne qui a appelé Scandal Gate. Premièrement, Serenity Gate concerne l'argent du public. Tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui, c'est autres l'argent ça. Qui, Pravin Jagnath, comme ministre des Finances, vient avec un nouveau changement dans sa film rebate scheme là, 500 millions, et en d'autres mots, donne accès à sa l'argent taxpayers là à une compagnie qui appartient à ce man beau-parent. Est-ce qu'il, où tu connais qui n'a pas voulu faire sa même dépense là. Moi, je vais arrêter où elle a fait. Il y a un communiqué du Parti travailliste à ce sujet. Moi, en tenir moi à ce communiqué là. Qui finalement, Dimoun a réalisé que le MSM, pour faire tout ce qu'ils sont capables de faire pour être au pouvoir, invente des histoires, fabrique des documents, simplement parce qu'ils ont envie de signer dans le pouvoir. Cette déclaration de Shakil Mohamed dans le ring de la campagne hier confirme qu'il y a bien une guerre des scandales durant cette campagne électorale. Serenity Gate ou Navin Gate, Pravin Jagnath et Navin Ramgoolam se livrent à une vraie campagne de Zetlabou. Quelles sont les implications de cette bataille de qui a commis le plus gros scandale? Pour comprendre, il faut d'abord connaître ceux qui composent l'électorat. Subhash Gobind, consultant à l'Express, nous explique qu'il existe 3 catégories de votants. Vous connaissez, dans toute société démocratique, l'électorat est divisé en 3 parties. Un parti électorat, fidèle avec un parti, fanatique envers un parti. Quel que soit le taux ou les bons côtés du parti, ils votent pour votre sa partie-là. Et dans le deuxième segment de l'électorat, c'est qui Banzimon qui foncièrement compte sa partie-là. La partie qui a fait ce qu'il y a envie. Sa bandimoun n'a pas pour voter ça. C'est banoisia hostile net. Entre ça de là, il y a une grosse composante de la société qui constituait des bandes indécis. Zotes guettent les événements, zotes analysent le pour et le contre, zotes guettent programmes, zotes guettent performances, zotes guettent personnalités. Là, en fonction de ça, zotes prend décision. La stratégie de sortir les frasques de son adversaire vise donc à convaincre, bien évidemment, pas les die-hards, mais ceux qui, jusqu'à la dernière minute, ne sauront pas pour qui voter. Cette tranche de l'électorat décide du résultat des élections. Il est toujours une vise une indécis. Parce que c'est une indécis là qui ne pense pas ici ou pense de l'autre côté. Les autres qui peuvent faire et qui fait un verdict là tombent dans une direction ou dans l'autre direction. Très important de travailler les indécis. Je tiens un poids parce que sinon, toutes les élections, une seule partie pour gagner. Donc ça prouve que le fait qu'il y ait un changement de gouvernement, qui après l'élection, il y a un autre qui prend le pouvoir, ça prouve qu'il y a quand même une section de l'électorat qui est bousée entre un et un autre. Alors, arriver parfois parmi les indécis, nous excluons les fanatiques des deux côtés, là, hein, parmi les indécis, quand je
analyse différents partis, analyse différents leaders. Je trouvais qu'ils n'ont pas qu'à faire un choix. Je trouvais qu'ils s'acquènent aussi mauvais qu'ils sont camarades, qu'ils s'acquènent autant scandale qu'ils sont camarades, s'acquènent pétrin autant la guéfère blanc qu'ils sont camarades. Finalement, ils ne sont pas connus qui pour faire. Donc la plupart décident pour ne pas le voter du tout. Je tresse la case. La clé de ces élections se trouve donc entre les mains de ces imprévisibles électeurs. On l'aura compris, les politiciens aussi. Les scandales ont-ils vraiment le pouvoir d'influer sur le vote de l'électorat? Jeffrey Edwards a rencontré des électeurs dans les rues de Port-Louis hier. Voici ce qu'ils ont répondu. Par rapport à un dernier scandale qui est arrivé devant le parti politique, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le vote? Non, il n'y a pas du tout l'influence sur le vote parce qu'il est assez intelligent. Il faut être qui vrai, qui mentit. Mauricien est déjà intelligent. C'est-à-dire. Non, jamais pas faire influence sur le vote. Parce que ce qui peut arriver, il y a des décisions pour nous, qui nous ont voté, qui est ministre du gouvernement. Bon. Vraiment, avec des scandales qui peuvent tous les jours être ouverts à la télé, tout cela. Autour de l'autre là, c'est pas Sérénité Gate. Autour de l'autre là, peut venir Kofo. C'est pas ben, sur la banque dernièrement là, que nous trouvons là, la banque. Mais tout ça joue un rôle stratégique. Ça. Mais du monde là peut penser, il y a encore peut faire choix ce qu'on dit, il reste des semaines pour l'élection, mais vous pensez du monde là peut bien penser bien qui est pour voter et vraiment qui gouverne moi qui est pour voter. Ah mais oui, certainement, parce que je vais vouloir voter des personnes qui ne vont pas être justifiées la corruption ou les gaspillages. Ou dilapider le fonds public, c'est que ça, je ne voulais pas, à travers mon vote, que ce genre de personnes-là puissent profiter. Aucune influence, tout correct, tout normal, ce qui nous veut dire. Donc toi, tu déjà connais à peu près que ça n'a pas le voté, donc ça ne fait pas prendre l'influence sur le vote. Non, pas prendre aucune influence. Ce qui est arrivé à RUSEM, si on a pour votre scène, si on va quitter rien, on va pas faire non. L'influence pour laisser nous travailler, laisse malheureux gagner la vie. Pareil, mon premier ministre gagne un milliard, laisse nous gagner la vie. Nous. Que vous dire? Le Parti travailliste subit et continuera de subir un préjudice irréparable suivant la diffusion des transactions bancaires de Navin Ramgoolam sur la MBC. Propos de Patrick Assiavaden qui a logé une plainte en diffamation criminelle contre 4 membres de la MBC hier. Le président des Rouges accuse notamment Vijay Ramdani d'être le responsable de la diffusion. Écoutez ce qu'en pense le directeur général par intérim de la MBC au micro de Manisha Dina. Mon téléphone par rapport à plainte Patrick Assiavaden du Parti travailliste ce matin. Ouais. Vous pensez qu'on prend connaissance de ça et ben, l'allégation qu'il vient de faire? Non, pas au courant. C'est au courant, mais vous ne pouvez pas connaître plus de détails que vous. D'abord, vous avez pas connaissance de ce déposition. Mais l'IP déplore le fait qu'il a un MBC fin passe-bandimaz compte de Navin Ramgoolam. Vous ne pouvez pas capable de dire des affaires qui ne sont pas au courant. Non, mais vous pouvez demander une question par rapport à ça, bandimaz qu'ils ont fin montré. Mais encore une fois, vous pouvez dire, moi, il fait sa plainte là, mais moi, pas au courant. Non, mais qui opposition le fait qu'il a un MBC fin passe-bandimaz là? Non, ça m'a fait, vous pas dire ou non, il est là. D'abord parce qu'il n'a la promesse de sa police au travail. L'Alliance Mauricien a présenté son manifeste électoral hier en avant-plan création d'emplois pour les jeunes, protection de l'environnement, diversification des marchés touristiques, une économie basée sur les sports. Qu'est-ce qui différencie le programme de l'Alliance Mauricien à celui présenté pour l'Alliance Les Peps en 2014? Estelle Bastien a décortiqué les deux documents. Une quinzaine de mesures, c'est ce qu'a annoncé Pravin Jugnauth hier lors de la présentation des priorités de l'Alliance Mauricien. Et là, certaines mesures qui m'ont déjà fini annoncer, comme augmentation pension pour nous bannes grandes immunes à 9000 roupies, salaire minimum pour réviser en janvier 2020, le prochain rapport du PRB pour prendre effet à partir janvier 2020 au lieu de 2021. Pour créer 10 000 emplois dans le secteur public et nous pour donner à une compagnie privée une incitation fiscale. Vous êtes capable d'employer un jeune gradué pendant 3 ans au minimum
Nous pouvons donner livre gratis à ban étudiants secondaires publics jusqu'à grade 9. Pour ban taxi, ça aussi mon fini annoncé, nous pouvons donner un grant de 100 000 roupies. Subvention pour aller faire traitement médical à l'étranger pour augmenter de 800 000 roupies à 1 million roupies. Ban qui est dans une seule la case, je n'ai pas pour payer aucune taxe immobilière à la municipalité. Nous promène la loi pour mettre en place une land division à la Cour suprême pour écouter ban cas de litige l'eau la terre. Ces mesures ont beau être populaires, mais il est bon de rappeler qu'en 2014, plusieurs d'entre elles avaient été annoncées déjà. Nous avons noté, par exemple, dans le secteur du tourisme, l'intensification de la diversification vers la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les mêmes marchés prioritaires qu'en 2014. Et puis, il y a cette mesure pour l'industrie manufacturière. Tenez-vous bien, un copier-coller de la mesure de 2014. La toute petite différence, c'est que le cuir est venu remplacer l'agro-industrie. Autre priorité, 5 ans après, la création d'un comité contre la violence domestique. Comité placé sous l'égide du bureau du Premier ministre. En 2014, 5000 nouveaux emplois devaient être créés dans le secteur public et 5000 autres dans le secteur du transport maritime. Après 5 ans, le même nombre d'emplois, 10 000 postes à pourvoir encore. Ajoutez à cela, en 2014 et en 2019, Pravin Jugnauth essaiera encore et encore de convaincre les entreprises du privé d'embaucher les jeunes gradués grâce à une incitation fiscale. Ce manifeste électoral de 2019 fait en revanche la part belle à l'économie bleue. L'Alliance mauricienne veut également interdire la construction d'hôtels à 100 mètres de la plage. En revanche, si le programme électoral de l'Alliance Les Peps en 2014 mettait l'accent sur le combat contre la pauvreté, le document présenté hier n'évoque même pas ce mot, ni les synonymes comme la misère ou encore le sort des démunis. Résistance et alternative persistent. Un Mauricien devrait pouvoir participer aux élections sans être obligé de se classifier sur une base ethnique. Les 20 candidats de ce mouvement politique de gauche saisiront la Cour suprême ce matin pour contester leur refus de candidature. Vina Dula de Résistance et alternative faisait face à la presse le jour du dépôt de candidature. Électoral, où il y a, within 7 days, ça veut dire au visa à contester sa décision, returning officer et ban principal electoral officer, ou gain droit, à contester lui devant la Cour suprême. Et c'est ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous différents des médecins, et c'est ce que la plus haute Cour ici, Maurice, la Cour suprême, tu donnes nous gagner. Nous tu gagnes les causes quand tu as un jugement qui te dit, ça c'est que tu fais ce jour-là, lui. Elle compte l'esprit premier l'article de la Constitution Maurice qui dit Maurice est un pays démocratique et souverain. Est-ce que ça la cour là qui peut utiliser l'eau s'arrêter là pour valider nos candidatures? Comment tu validé en 2005? Comment nous avons le droit de proposer en 2014? Est-ce que ça la cour qui nous peut vivre à cela 14 ans après 2005? Est-ce qu'il peut valider nos candidatures? Nous restons savoir. Quelles sont les attentes des habitants de la circonscription numéro 10 en vue de ces élections générales? Yacine Den Mahmoud et Darren Mori ont promené leurs caméras dans les rues de Montagne Blanche à Grande Rivière Sud-Est. Regardez un extrait de leur reportage. Bien occupé, bien guette du monde, bien honnête. Ouais, bien mis une droite. On est des agents, allez, Yako. Même les députés qui accueillent le public bien, depuis que nous, comment on voit les gens, ils enfin, accueillent bien. Non, moi, je suis un peu bien. Député, tu es où? Tu fais quoi? C'est là.
C'est la fin de votre journal des élections. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée sur l'express.mu.